Le secret de Laura est au cœur de toutes les enquêtes. Après avoir été busée par Barbara hier, c'est aujourd'hui au tour de Nouré d'aller déclencher le fameux buset rouge du confessionnal. Mais manque de chance, il est, encore, à côté. Nouré et Camilla sont de super emboucaneurs, mais pour obtenir le titre de meilleurs enquêteurs de la semaine, il faudra se lever de bonne heure. Hier, Barbara a busé Laura suite à la découverte d'un nouvel indice sur la gelée brune. Elle pense que sa copine de l'aventure a perdu son, ou sa meilleure amie. Après avoir validé son buse, elle a découvert qu'elle était, à côté de la plaque pour le plus grand bonheur de la petite amie d'Alain. Ce mardi 14 novembre, c'est Nouré qui a pu découvrir deux indices sur le secret de Laura, en se rendant dans la salle des archives. En effet, Jordan avait laissé ce cadeau à son ami depuis le début de l'aventure après son élimination lors du prim de jeudi dernier. Et le hasard a bien fait les choses, puisqu'il a désigné Laura. Après avoir longuement discuté avec Barbara, et avoir récupéré beaucoup d'informations sur le cheminement de pensée de la jeune femme, et les précédents indices qu'elle avait reçus, il s'isole dans le cellier avec Camilla, pour tenter de trouver le bon intitulé. Pour lui, hors de question de partager ces deux indices, avec qui que ce soit, même pas avec Barbara. Mais lorsque le couple se rend compte que Barbara et Laura écoutent à la porte, ils se réfugient dans le jardin. Camilla a alors une révélation. Laura est l'ex de Benjamin. Sûr de l'intuition de sa femme, le Marseillais part aussitôt buser. Alors, Nouré s'arrête, il confirmait son buse, et de nouveau enrichir la cagnotte de la canoë. Affaire à suivre.